السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, عجباً لأمر المؤمن. Étonnant est le cas du croyant. Le croyant, il est étonnant, son état. إن أمره كله خير. L'état du croyant, il est bien. Quelle que soit sa situation, le croyant il est dans le bien, quelle que soit sa situation. Naam be maaki haray net dankeon himo e der mojere non e wono woniri. In asabathu sarra shakara fa kana khayran lah wa in asabathu darra sabara fa kana khayran lah. Quand il est dans un bienfait, Allah il lui donne du bien, il remercie Allah et c'est un bien pour le croyant. Et s'il est dans une épreuve, difficulté, il patiente. Et c'est un bien pour lui aussi. Et ma ki mono e mojere hare mo wonde Allah on Allah on weltanimo sey onti kadi hebi ngalaw e der mudum onti go woni doftido o woni newi do woni netido Allah on yiltanaimo dum don wattanamo mojere wa laysa dhaka li ahad illa lil mu'min. Et ça c'est que pour le croyant, dans tous les cas il est dans le bien. Be ma ki wonde ma juldo on kanko himo e der nemaaji din tum hayso hebi sattende yeso ko si feji den sattende don ko newende wonantam. Donc le musulman, quand il subit une épreuve, il fait as-sabr, la patience. Il ne se révolte pas contre Allah Ta'ala, il ne tombe pas dans les péchés, il dit Alhamdulillah, et il patiente dans l'épreuve, et il sait que Allah Ta'ala, il a prédestiné toute chose, c'est le maktoub, c'est prédestiné par Allah. E ma ki julɗo on woni non so hebi sattende o wata revoltude e monanagol Allah subhanahu wa ta'ala on ko yo wonu aade newido aade netido o wi alhamdulillah e hore konko hebi modon e ci feji don o hebay newende Allah lando waylitanaimo konko sattanomo do wattanamo newende kanko julɗo on ko non o sifori ko non Allah lando daliri ka kamilu makko. Et quand le musulman il a un bien, il remercie Allah ta'ala et inshallah Allah il lui donne plus. Oyni julon so hebi mojere ko yo yettu Allah, Allah beydanaimo e hore konko Allah wadanimo don. Julon so hebi mojere sondo kala sondo tuma wotuma ko yo beydi wigol alhamdulillah. Wana woniri kadi so hebi sattende ko yo bembunno e hore nen sattende don anda Allah lando o wawi wadde dum don o ittanaimo. Et Allah ta'ala dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. C'est-à-dire si vous remerciez, je vous donne encore plus. Naam maaki be imam maaki ka qur'an Allah lando no dali si on weltani kelan si on jarni lammi beydanayon. Et comment on remercie Allah? Be maaki ko honno weltoranten Allah ko honno jarnirten Allah. En faisant ce qu'il nous a ordonné, wadugol ko yamirien kon, et en évitant ce qu'il nous a interdit, et selugol ko hadi en kon accitugol ko hadi en kon. Et celui qui fait ce qu'Allah lui a ordonné et qui évite ce qu'Allah lui a interdit, celui-là, il est dans at-taqwa, la piété. Be ma ki mo wadi ko Allah lando yamirimo kon o acci ko Allah lando hadimo kon hare on don hino e der kulol Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ô vous les croyants, faites at-taqwa, la piété. Be ma ki ko kaner al-qur'ana hino windi ton ko onon yo julbe hule Allah do woni on taqwa don hule kulol hule Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, e maki nelado mede Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki, man lam yashkur an-nas
لم يشكر الله. C'est-à-dire, celui qui ne remercie pas les gens, il n'aura pas remercié Allah complètement. Et moi qui, si tu es un homme qui a dit Allah, je ne sais pas si tu es un homme qui a dit Allah. Si tu es un homme qui a dit Allah, je ne sais pas si tu es un homme qui a dit Allah. Je ne sais pas si tu es un homme qui a dit. Et masha'Allah, dans le discours d'introduction et à notre entrée dans le village, vous nous avez beaucoup remercié. Et moi qui, alhamdulillahi rabbil alamin, je ne sais pas si tu es un homme. Be hebi welo welo ne tawno ibande makabe iwi ton haka natugal mabbe kam ner hodo meden ga be hebi welo welo mola nango e mudo. Et moi je vous dis sincèrement, e maki kambe be wolana en tigiri tigiri en mon nom et inde mabbe kambe et au nom de tous ceux qui ont donné, qui sont ceux qui écoutent la chaîne l'islam simplement, e maki e ben yimbe wallitibe ko jentotobe chaîne ka chaîne YouTube l'islam simplement, l'islam simplement chaîne non inde chaîne non. En leur nom et en mon nom, je vous dis, c'est nous qui vous remercions. Nous, nous avons besoin de vous, plus que vous, vous avez besoin de nous. La vie que vous menez, dans la situation dans laquelle vous êtes, et le sabre, la patience que vous avez dans cette vie, c'est une leçon pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, afdalu sadaqati al-ma wal maniha, la meilleure des aumônes, c'est l'eau. Be maaki ko buri moddude e sadaqa ko ndiyam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sadaqatu tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u an-nar. Le fait de faire une aumône, ça efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Nela no meme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam be maaki sadakaaji wadete din taata ko ndiyam hidan ittira hidan labbinira neddo ko buri ko ndiyam labbinta bandu. Et nous, on a besoin d'avoir des gens à qui on peut faire une aumône pour que, inshallah, Allah Ta'ala nous pardonne nos péchés. Et on a plus besoin qu'Allah nous pardonne que vous, vous avez besoin de l'eau. Nam kambe kadi be haton jini yo Allah o yafo e bakatuji mabbe din buri enen no falira den non ndiyam kamede. Et c'est pour ça que j'insiste et je dis, nous avons plus besoin de vous que vous, vous avez besoin de nous. Nam ko sabu dun do wadi sibe filli fillini be maaki kambe hibe haton jini e meden buri enen ko haton jindam men kon e mabbe. Donc barakallahu fikum, on vous remercie, akramakum Allah. Jazakum Allahu khayran. Et on vous demande de faire des invocations pour tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont aidé pour ce forage, et que vous ne les oubliez pas dans vos du'as. Vous êtes beaucoup plus proches, incha'Allah, d'être exaucés par Allah Ta'ala que nous. Et c'est ce qu'on vous demande humblement et modestement, de faire des du'as à ceux qui ont participé et à ceux qui ont donné, et pour leur famille. Enen yem beedam be du'a o kambe wallitibe emben kambe wonbe hakkunde wallitotobe memben wallitotobe emben e kambe wallitotoben yem beedam be du'a kambe be ngureji mabbe din yo Allah hon wadam be nafa e barki yo Allah montambe junubaaje bakatuji mabbe yo Allah okube aljanna battane mo ereji ko bone wadde ko kayen fo meden are ko dum be tori en wota e yejjitu ka julde meden torana golbe du'a oji. Et on invoque Allah, on demande à Allah qu'il nous réunisse au paradis. Le tori yo Allah on tumbiniro en kaner aljanna. Et qu'il nous pardonne nos péchés. Et yo yafano en bakatuji min. Et qu'il fasse que tous, autant que nous sommes, nous nous attachions à obéir à Allah Ta'ala, à obtenir l'agrément d'Allah Ta'ala et à nous éloigner de ce qu'Allah Ta'ala n'agrée pas. Et ma ki kadi hare be tori enen do fonu woni den do ni yo Allah yurmen o hippindira en e o okka en dole fino fi yo efa sangen bakatuji menni amin
en yo montan en bakatuji mending en o wallito en yen potito ko hadi en kon fiu qu'on s'attache à la religion de l'islam yen hap yen jogondir e dina islam kan qu'on s'attache à la prière ko yen jogondir e juldane qu'on s'attache à la bienfaisance envers les parents qu'on s'attache au respect de plus âgés qu'on s'attache à la miséricorde envers le plus jeune et que l'on s'attache à tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et transmis de la part d'Allah. Ko en jogondir kadi e ko nelado meede Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yamiri en kon e ko janni en kon e teddine. Barakallahu fikum. Je vais laisser la parole maintenant à ceux qui s'occupent de la gestion du forage et de toute l'organisation. Barakallahu fikum. Amen.